On a parlé sur Bicentin pendant nous, avant nous à le village de Dieu, ben nous allons parler avec Maître Arnel Rémy, qui c'est avocat dans le Port-au-Prince, qui était voulu attirer l'attention aux autorités sous tribunal première instance là, qui presque pas qu'à fonctionner à cause zone en bas, donc avocat yo, qui a une difficulté pour aller plaider. Maître Arnel Rémy, bonjour. Allô, bonjour, Guerrier. Descends le volume radio qui va côté là, cher Maître. Bonjour Guerrier, bonjour Bobsy, bonjour Pierre-Renel. Je salue le tribunal de première instance, M. Bernard Saint-Ville. Je salue le commissaire gouvernement de première instance, M. Petford. Je salue tout avocat Kadoyo, et avocat cabinet advocatus, et ingénieur Glimo Salomon. Je salue. Alors, Guerrier, m'insister un peu, c'est parce que vous voulez attirer attention autorité sous fragilité qui vient aux alentours du tribunal de première instance. Alors, on doit toujours poser cette question, pour qui ça avocat mais de relocaliser le tribunal là, est-ce que l'État a toujours couvert dit, mais il faut comprendre, c'est une situation pour nous qui est inquiétude, qui en parle de l'avocat. Et nous voulons comprendre comme exemple, nous-mêmes comme avocat, on a absolument n'importe quoi et mardi dernier, nous avons fait des patients. Nous avons tout le monde courir, qui peut aller les yeux, qui de travailler, à faire mieux. Nous avons dit que la situation est vraiment difficile. Parce que, grand violé, mais, question à poser maintenant, et un peu nous l'a posé, qu'en est-il de sécurité de chaque avocat? Qu'en est-il de sécurité commissaire? Qu'en est-il de sécurité personnelle tribunale? Même quand c'est guerrier, si on a parlé de sécurité, surtout on connaît que village de Dieu est décrété état d'urgence. Village de Dieu vit dans une zone rouge, surtout on connaît pas de sa capacité, on a PDS tout près du village de Dieu. Donc, ça peut arriver de prendre en date criminelle là. Nous avons cartouches à terre, qui passent en date criminelle. Moi-même, je ne voulais pas responsabilité matin comme avocat. Pour me dire population, pour me dire autorité, pour me dire Claude Joseph, qui c'est pour le docteur Claude Joseph, pour me dire que nous nécessitons de réfléchir et passer sur une relocalisation criminelle. Parce que nous avons resté dans une victime pour le président fait tweet, pour que le ministre fait tweet, pour dire désolé, prévenir vaut mieux que guérir. Donc il s'avère important de prendre des décisions urgentes. Non seulement, justice a fait presque 3-4 n'a pas fonctionné, assises criminelles guerriers par exemple organisées, conséquence directe là, c'est la surpopulation carcérale, les vénérés comme là, les juges, le commissaire du bureau, par les pieds en bas parce que, vivre tout le monde, font construire le cartouche, qui donne un zone tribunal là. Pour même temps, c'est que, et autorité concernée, autorité judiciaire, nous pensons avec Doyen, commissaire gouvernement, de un chef criminel là, pour que je sois pris ce côté pour préserver la vie de chaque monde qui parle d'un tribunal là, d'un environnement criminel là. Il est nécessaire et important de permettre que l'activité reprenne, donc justice là, pas qu'à à genoux. Alors, dernier, un film rapidement, nous devons d'ailleurs en fait deux, et il briefing de comment dossier. Avec son gouverneur de l'homme, a passé, et surtout de signer Mme Jennifer Jaffin. Alors, quand on comprend que le dossier est de la communauté, un grand monde qui peut être libéré, c'est pour les gens matériels. Mais nous-mêmes, au niveau des deux cabinets, cabinet et avocatus et cabinet maisonneur, nous activons déjà parce que ça n'a pas pris un dimanche auprès de la cour d'appel. Donc, déjà, nous sommes en mode parents et Jennifer, Isha, Philippe, pour le faire nous parvenir à de naissance. Et madame, qui n'a pris au titan, et il fait suivi pour ces dossiers, pour nous permettre que Jennifer, Isha, Philippe, qui fait dernier monde qui était dans le dossier, petit bras de la vie. Et pour le dossier d'Abelson Bonnet, le dossier avance à grand pas. Mais le seul obstacle que nous gagnons, pour que nous comprenions ça, nous avons fait et constat de détention avec tout avocat, mais nous-mêmes, madame Michel, nous parlons tout avocat, nous faisons
nous jouons certificat de cours, nous jouons le certificat de grève, mais nous n'avions pas encore eu l'ordonnance nous permettant de plaider le dossier à la Habeas Corpus. Donc, on pense que d'ici la semaine prochaine, les avocats se rendront auprès du plan de la Saint-Ville et pourquoi pas tenteront d'obtenir l'ordonnance qui va permettre nous d'aider le dossier à Abelson Gounéglan en Habeas Corpus et pourquoi pas, après le dossier à Abelson, initier des Habeas Corpus préventifs pour tous les policiers CNH du mandat d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée. Merci un peu, Maître Arnel. Rémi Pierre-Renard. Jeudi, en fait, exactement, yon mois, 11 jours, depuis police nationale, PIA, qu'on est, yon gros défaite dans le quartier Village de Dieu. 4 policiers étaient péris pendant yon opération Force Claudio pour déloger bandits qui occupaient espace ça. Famille et proche victime, yon continue à crier, demander justice pour frère yon, papa yon, tonton yo, cousin yo qui était mort dans situation nous songer alors que famille yo pas de chance pour joindre cadavre ça qui vient augmenter tristesse yo dans mon côté pays pas connaît vraiment comment famille yo a vive gain dans victime yo qui était parti qui était timon en bas âge jodi encore n'a pas rappelé mémoire policier sa yo qui était péri dans dernier gros opération la police menait dans Village de Dieu, c'était 12 mars qui saute passé à. Et guerrier pour comprendre phénomène banditisme là dans un quartier tant coup Village de Dieu qui permettre nous identifier de pratiques dans une série de l'autre quartier pour éviter ça zone ça yo tourner jeudi en tant coup Village de Dieu yo considéré comme une zone rouge. Nous pral encore refaire l'histoire zone ça ou continuer parler avec de monde qui était vive dans Village de Dieu. Après nous songe te recevoir semaine passée à Jerry le combattant qui était fait un très bel travail sous histoire une zone tant coup Village de Dieu. Matin a recevoir Holofène Jean-Michel habitant pendant 14 ans dans Village de Dieu. Il était vinn dirigeant dans village là. Holofène, bonjour. Donc dirigeant dans Village de Dieu, ça veut dire qui ça? Bon, normalement saluer tout le monde qui attendait nous et matin et surtout monde qui suivent nous sur internet là. Et bon, Village de Dieu 14 ans dans Village de Dieu dans village là même moi noté où tout est venu dirigeant parce qu'en pile fois alors dirigeant dans l'espace dans le Village de Dieu et où tu gagnes même mise en autorité sur monde qui t'avait dans zone là parce que bon, dirigeant je dis dans village là le l'ai dit ça le dit. Bon, mais pas oublier réalité village là pas même genre pas même genre réalité ça parce que l'autre village là. Et monde qui prend village yo, c'est des militaires qui ont été. Yo prend village là, premier habitant dans premier habitant, village, ça c'est militaire, prend, c'est militaire. Ça veut dire en 89, il y a un policier, il y a un petit homme qui était des officiers dans l'armée et haïtienne, c'est nèg sa yo qui était décidé parce que l'armée était au pilon, nèg yo décidé yo prend zone là. Et là, dans zone là, il y a pas de prendre zone là comme si pour vendre seulement, mais qui habiter dans zone là. Ça veut dire monde qui t'a dirigé zone là dans l'époque ça elle t'ai fait commencer, c'était des militaires. Et ça veut dire pas qu'on y a des autres dans zone là. Quelle année? M'a prend 88 89, c'est le ça il prend, il prend Village de Dieu. C'est après suite à mouvement petit soldat dans la avril, c'est pour ça avril. C'est ça, c'est le ça prend. Qu'on y a là petit homme avec pelissier, c'est deux nèg ça t'a dirigé dedans. Petit homme t'a fait un comité qui est le congé vide, qui était comité gestion Village de Dieu. Comité ça, m'était secrétaire général. Ça veut dire, c'était un comité qui t'a géré zone là. Et géré zone là, c'est pas dans le même sens avec, vous entendez, zone là, géré en bas. Et nous même objectif, nous passons dans le bagage. Et monde qui vécu avec dans Village de Dieu, ça veut dire, si jeune qui levé dans zone là, sans avec, jusqu'à présent, pas de yon lader qui fume une cigarette. Jusqu'à présent, parce que nous toujours eu contact, pas qu'il y a un là-dedans qui compte fumer cigarette. Je ne sais pas si vous avez fumé Bose, ni n'importe qui. Pas n'est qu'il y a des âmes qui sont en bas. Mais je dis, il n'y a pas dans le quartier encore. Non, mais la majorité n'a pas dans le quartier encore. La majorité n'a pas dans le Village de Dieu. Et bon, je et nous tous, par exemple, en gros, n'est qu'il y a des âmes qui sont dans le Village de Dieu. C'est policier, par exemple, bon nègre là, qui c'est inspecteur. Non, soit. Monsieur. Vécu, levé dans le Village de Dieu. Et monsieur, c'est presque responsable de la zone de l'Ouest là. C'est nez qui levé dans le Village de Dieu. Et puis, il y a un bagaille.
dès le départ, enfin nous parler, enfin nous parler au dossier du bagage, dès le départ, on me dit nous bagage. Et ça fait mon pile mal, les gens à parler comme si tout le monde qui est en bas dans le village, qui est élevé dans le village, qui bon, ça est dit, qui gagne à quoi le village, tout le monde s'est bandit. Et bonjour. Et il y a un pile de monde qui était passé moi-même, je n'y ai pas que moi-même fait une vécu dans le village de Dieu. Je suis directeur de l'école dans le village de Dieu, courant dans le village de Dieu. Je fais 2 ans de travail dans l'AEDH avec ancien directeur de l'AEDH qui est un sénateur qui est Pierre-François Sildor. Et nous faisons pas qu'être. Village de Dieu, c'est monde qui est rentré dans village de Dieu. Ça y est, c'est monde qui est fini. Mbalzino. En Babisotner, village de Dieu, bandit pas commencé en Babisotner avec village de Dieu. Premier groupe bandit commencé en Babisotner, c'est dans la cité de l'Éternel. Tu as son son. Cité qui est à côté village de Dieu. Non, il n'est pas à côté village de Dieu. À côté village de Dieu, il y a cité plus qui en vente les cités Beaulieu. Ville et cité de l'Éternel, c'est cité qui en face ancien Sénégal. Pour moi, je ne sais pas son temps. Ancien, en face ancien Sénégal. Ça veut dire sous côté rentré 4e avenue. C'est la zone ça qui est le cité de l'Éternel. C'est là le premier groupe bandit dans Bicentenaire qui a commencé. Village de Dieu, c'est une zone qui est plus safe qui est en bas. Pour nous comprendre le phénomène de sécurité dans le village, ça veut dire ça qui vient passer dans le village de Dieu. Je dis à là, comme si ce n'était pas de manière simpliste que j'aimerais nous faire là. Et puis, bon, nous avons entré pifon. Moi, je rappelle le monde après que la police nationale a descendu quand on est dans le village de Dieu. Donc, il descend quand on est descendu quand on oui, parce que imaginons, on prend tout le monde qu'on est, Béaba, dans la question de bagages, genre de bagages, c'est pour faire genre de dévotion, il y a deux bagages qui sont supposés maîtriser. C'est renseignement et puis intelligence. Renseignement, c'est information que vous pour Baoua et puis intelligence, c'est façon pour traiter l'information. Imaginez comment on explique que vous pas entrer dans le village de Dieu, vous pas connaître dans le chrétien, dans notre rue Israël là, Gontou qui était là. Pour ne pas tout ça, ça veut dire déjà ça, n'est pas rien à faire. Mais comme vous, pour les gens qui après, ça qui est passé à 12 mars là, qui dit, faut que c'est violence qui pourrait faire dans le village de Dieu, comme si vous avez crasé prison dans le village de Dieu, je vais rapporter aux deux faits. La police fait violence dans le village de Dieu 2 janvier 2004. Il rentre dedans, il tue presque 20 personnes dans le village de Dieu. 2004. Parmi eux, oui, 2 janvier 2004. Mm-hmm. Parmi eux, il y a près de 8 nègres qui t'ont dirigé gang que Widma était chef. Ça veut dire premier groupe gang dans le village là, c'est un petit petit levé dans un nom qui est Widma qui était dans la tête. La police crasé gang ça. Widma été sauvé. Et ceci, information ça, dit laisse la police faire une opération dans le village de Dieu. De concert avec les dirigeants de zone nan. La police rentrée. La police bloquée et Boravine nan ouais sous Boitienne nan qui va susciter plus là. La police bloquée devant Jesquioa. La police bloquée en face théâtre là et puis la marine sous la mer. Et puis en dedans la police, il y a des moun nan zone nan qui pas d'accord sera fait là, qui accompagnait la police, habillé un policier, cagoulé et puis rentré pour aller identifier bandit. Et opération ça fait. Il y a plus que 10 bandits, ça veut dire, je ne parle pas de bon bandit qui mourit, chef là, oui, il est échappé. Malheureusement, mais tandis que dans l'opération, ça, l'information qui me dégage, nous avons contre Widma, c'est de justesse, monsieur, qui est sauvé. La police fait l'opération, ça, l'écraser, le briser, eh bien, ça passe. Ils font deuxième opération, faire, moun nan zon yo, yo quitté l'espace là. Mais au quitter ce passage, c'est en cachette. Tant que vous sortez, ça ne va pas prendre. Vous quittez toute la vie depuis Bandi Otan. Quand il y a qui plaisir Bandi Otan, c'est tomber casser Kaimoun. Casser Kaimoun, voler Bagaimoun, briser Bagaimoun, mettre du feu dans Kaimoun. Quand il y a la police décidé, il rentre en bas encore. Il rentre en bas, la police tue près de 100 premiers mouns. Toujours en 2004, on parle. Oui, toujours en 2004. Eh bien, imaginez, ça passe. Ça passe. Est-ce que. Briser, écraser, briser, hein? C'est lui qui résout. Est-ce qu'il te résout le problème de sécurité? Donc, on veut montrer que le problème n'est plus complexe que ça. Le problème n'est plus complexe que ça. Et donc, dis-nous, bagaille. Village de Dieu, il n'y a pas Himani. Village de Dieu, il n'y a pas Yaspignas. Qui c'est une zone qui collait avec Haïti. Village de Dieu, c'est une zone qui est dans Haïti, qui a des Haïtiens qui vivent là-dedans. Normalement, mais c'est raison ça, même si on a une hypocrisie qui vient dans la question, ça vient à poser problème. Non. Et moun qui est dans le village de Dieu, ça a essayé. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, là, n'est cap dit. Parce que Mano, le directeur, nouvel collège qui est dans le village de Dieu. Mano, t'es élève, moi. Mais ça, je suis un petit monde. Et Mano vient là aujourd'hui, il y a une histoire qui fait là aujourd'hui. Et banditisme dans le village de Dieu, il y a une histoire. Parce que de 2010 jusqu'à 2003, si vous avez tiré dans le village, vous connaissez militaire, ou bien yon moun qui nan
et l'État qui a des âmes qui tirent. Pas de aucun petit jeune monde qui a des âmes dedans. Mais si de 2003, Rive Jodia, Village de Jean Lia, a une raison. Et première raison, premier flux d'âmes qui descendent dans Village de Dieu, c'est une cause politique qui rentre avec. Parce que Widmay, nous avons qui année, nous avons qui année. 2003, dans le mouvement qui t'a fait grand monde contre Aristide. Et tant que par exemple, et Tijan dans le tribunal dernièrement, il t'a expliqué que brigade là, c'est lui-même qui cause que Widmay bandit. C'est pas vrai. Widmay, c'est un petit petit qui levait dans la zone. Non? Parce que Widmay bandit son bagaille. M'organiser un championnat en bas, bon la mer. Parce que bon la mer, c'est moi qui fais. M'organiser un championnat en bas. Widmay baille yon yon coup de pied. L'elba moun yon coup de pied là, on joue, yon ba le carton rouge, il était bali avec mauvaise intention, moi sanctionné pour deux matchs. Il était de l'autre terrain, équipe a joué pendant tous deux matchs, après ça, équipe était qualifiée pour second tour là, il vient réintégrer l'équipe là continuer à jouer. Anel Joseph participe dans le championnat que nous faisons en bas, il participe de manière normale, monsieur. Oui, il était contre le football. Monsieur finit meilleur buteur championnat. Anel Joseph. Oui. Mettez monsieur sur estrade. Mettez médaille dans le cool. Mais jusqu'à présent, pas dit aucun lieu de monde. Non, non, non. Ça fait avant 2003. Okay. Avant 2003. C'est dès que ça aussi n'est qu'il vient dans la zone. Qu'on y a là. Drop en 2003-2004. Parce que pas bien, zone. Non. Tant qu'on compte avec ça, c'est difficile. Parce qu'il y a une petite correction que l'État se pose dans le livre là. Parce qu'il y a un monde qui connaît dedans que le papa l'avait. Et tant qu'on brigade là. Fondé ensemble avec Village de Dieu. Ça veut dire que dès le départ, il était toujours là. Il était toujours là. Depuis, zone 9 pour 90, depuis 2001, 2000, et depuis 92, Brigade là était là. Et Widmay, baille yon moun coup de couteau dans Goumé. Ça, c'est ça m'a parlé. Non, il dans le match. Okay. Ça veut dire ma palo, zone 2003. Et il baille et moun coup de couteau, qu'on y a là. Dans la période ça, Brigade là, tu as autorité dans la zone. Parce que nous n'avons pas brigade là, autorité dans la zone. Bien que brigade là, des fois, elle compte faire excès, mais nous n'avons pas l'autorité. La brigade de débattre, comme Widmay, c'est petit, nous n'avons pas parlé de Widmay dans la zone, c'est nous n'avons pas. Brigade là, prend Widmay et remettre à la police. Les remettre Widmay à la police, qui ça la police fait? La police prend Widmay, il a gagné la pénitentiaire nationale. Avec tout le monde qui a été connu, dans l'époque là, qu'on a Widmay, si c'est lié avec eux, les retourne dans le village de Kounia là parce qu'ils font moins en prison. Kounia là, avec tout contact, li, tout lien, il vini dans le village de Dieu en tant que bandit. Mais cependant, il n'y a pas de gazam. C'est mouvement consolidation pouvoir 2003-2004. Zam d'Abdi Sibi dans le village. Kounia là, il était bail. Et qui n'est que ça aux Zam, mais c'est pas à intention pour y aller faire. Gang. Gang, non, j'ai fait là. C'est à intention pour consolidation politique. Et puis, c'est eux-mêmes qui ont décidé de faire, ils ont décidé, ils ont pris un mieux pour nous régler, ils ont fait pas. Et depuis lors, ils n'ont pas jamais arrivé à éradiquer la question de banditisme. Et pas seulement dans le village de Dieu. Tant que nous avons focus dans le village de Dieu, c'est pas seulement dans le village de Dieu. Bon, village de Dieu, peut-être, bon, c'est parce que ça, les proches, les... c'est parce que le plus proche, on sait, parce que dans pas de zone que banditisme, lui aussi, enragé. Pour le banditisme dans le pays d'Haïti, mais c'est qui ça lié? C'est nous autres. Haïtiens, qui conseille de groupe moun nous quitter dehors? Parce que après village de Dieu, par exemple, nous avons travaillé en République Dominicaine dans un projet, que là, ça c'est ancien président dominicain, Daniel Medina, c'est monsieur qui était dans tête projet ça, nous avons eu les Pablo Wawalo, et l'offre qui était pour Ndakana. Et pendant que nous travaillons dans zone ça, nous avons décidé de faire la première ville planifiée de la République Dominicaine. Et première ville planifiée, ça, qui ça n'a été fait, nous avons fait ville ça. Premier bagage qu'on fait, ils ont tracé route, ils ont passé courant, ils ont mis de l'eau, pendant que pour qu'on grimpaille. Quand il y a là, mon cap vigne eux-mêmes, un paquet de services est à gagner mettre pour eux. Village de l'El fondé, l'y fondé, il n'y a pas aucun service. L'État t'a quitté tout le monde sans aucun service. Et malgré ça, groupe monde qui est venu en premier, ils n'ont pas allé vers le banditisme. Et en bas village de Dieu. C'est comme si depuis son monde qui levait dans la zone ça, mon tout de suite bandit. Et moi dis nous, groupe dans le village de Dieu, il doit être prêt à monter Peggy Villa, à monter Vimichel avec vous. Depuis c'est la condition ça qui a vu là, vivre en bas, il y a gang en l'air.
Donc c'est pas défendre ou défendre réalité que je dis à loin de là, vous mettez lui. Opération 2004 là. Opération 2004 là. Opération qui arrive dans la côté de la police échoue à temps qu'on descende pantalon, mais pas jamais condamné ou bien comme si je pas jamais parlé tout de Jean Nègre comporté en bas, puisque l'information qui a venu dit l'autre bois a son cachette de kidnapping. Pas comprendre aspect ça quand même parce bon. Que histoire banditiste là évolué ou parler de militaire mais je dis à militaire pas là donc un groupe de nèg qui contrôle zone là depuis des années et qui rivait défier l'état défier la police surtout les quatre policiers yo lâché yo donc dans toute histoire banditiste en Haïti nous pas comme ça et d'accord oui bon bagay. Mais imagine ou comme si m'pa vinn là m'a dit ça tout on a dit déjà yo. Ça veut dire moi-même m'a souligné ça mon yo pas dit yo. Par exemple moi-même imagine question bande si m'a dit bon Mexico bon me font un aveu dans opération que la police menait en bas dans village de Dieu contre gang Goodmail en 2004 moi-même j'ai participé dans planification et opération avec la police. J'ai parmi un groupe citoyen dans zone qui planifié intervention. Ça veut dire que moi-même m'pa vinn là pour m'appuyer bandi ou bien pour comme si appuyer ça ne va faire imagine moi d'ailleurs Pierre le connaît moi-même son militant politique ça veut dire imagine si m'a boumé contre nèg qui dans pouvoir ça c'est pas bandi ça en bas pour m'pa boumé contre le problème à poser nous c'est que comme si Jean n'a posé problème non c'est pas raison que fait nèg doit faire ça fait là qui condamnable et c'est pas le fait que c'est nèg qui était en bas. C'est parce que yo, bah, zone côté retiré qui fait dans ça, yo dans état rien. Parce que des monde qui te dans même zone ça qui pas bandi, c'est ça me faut comprendre. Parce que nous tout village de Dieu de 2002 89 90 que le fond ils font déjà jusqu'à 2003 côté vague qui s'est commencé là, tu des monde qui t'a vu là-dedans, mais monde ça va bandi. Donc qui ça fait monsieur ça bandi même. Monsieur ça bandi parce que premièrement, parce que faut me dire nos bagages. Autrefois, type d'éducation que nous-mêmes nous recevons, avec type d'éducation que je ne sais pas recevoir aujourd'hui, c'est du bagage différent. Parce que moi-même, je suis là à apprendre si je ne pas manger, poum, si je ne suis pas là. Mais je ne sais pas là, je ne suis pas l'éducation de moi-même qui permet que je souffre de ces bagages. Et l'État, tout lui-même, bon, je vais deux exemples. Il y a un petit garçon qui sont ici, qui vient me dire dans le village de Dieu. Mais petit garçon, maman, papa était mort depuis qu'elle vit dans la zone. Maman vient mourir. Lui-même, il était parmi les gens qui étaient plus grands dans la famille. Il y a un cas, bien que maman était dans la zone, il y a un cas là, mais il n'y a pas de prendre l'autre. Parce que ça, plus grand, pas qu'à prendre soin, monsieur, pas qu'à prendre soin de l'autre. Et ceci, aller vers le banditisme, pas de l'autre option que ça. Parce que l'État, moi-même, avec le groupe nègre, qui était dans le village de Dieu, dans la 10 premières années village de Dieu, nous n'avons pas de modèle bandit devant nous. Mais à partir de 2004, tout petit jeune qui a venu, modèle bandit qui a eu. Quand vous dernièrement parlé avec, nous avons fait une intervention sur Radio Vision 2000 et à Valérie, côté, nous avons expliqué Valérie, et nous gestion depuis, sous Idmaï, ils ont un cob qui a eu bail, net bandit en bail, pour assurer la sécurité. Et ceci c'est pour quoi qui petit. Moi mon bagaille. Soit qu'on est de IDH, rapport IDH avec Bandi dans zone. Bon, rapport, vous n'avez pas le problème de bagaille politique. Parce que, nous avons dit bagaille, bonjour. Non, parce que vous connaissez plusieurs entreprises en bas qui ont un type de rapport ça avec mon. Bon, IDH, même nous sommes bagaille politique, on parle là. Bon bagaille. Et tant que moi, je ne vais pas parler de Bandi là, je dis que je ne vais pas parler de Bandi en général. Pour ne pas penser que je défends le village de Dieu. Vous comprenez? Et Samzou. Et l'autre, les populations ont gardé pour le gouvernement pour aller installer, présumé, en bas. Qui n'a dit prend pour la sécurité? C'est le groupe des villageois. Pour sécuriser l'espace-là. Parce que des employés qui ont fait mouvement. Pour les syndicats n'ont pas fait mouvement. Alors, qui ça ne va pas demander? Alors, population, qui ça ne va pas demander? Une population collaborer avec l'État ou bien pour l'été subi, Bandi? Pendant que Bandi là, vous avez tout le monde de la journée. Ça veut dire, monsieur, tant que vous avez tout le temps, l'État n'a pas de responsabilité. Parce que, monsieur, dans la situation que vous avez là, vous pensez que nous, qui n'avons pas fait, et je dis, mais vous n'avez pas de responsabilité. Parce que, moi, je ne vais pas dire, grâce à Dieu, moi, je fais une étude d'investigation qui part en Haïti, et que les bagages me connaissent sur la question ça. Et, bon, dis-nous, et professeur Yves Kader, tout le temps, a parlé sur la question de sécurité.
et il dit nous ça. Et sécurité ça qui est en Haïti là, il ne peut pas résoudre par la violence, par la force que j'ai l'état fait là. Donc, il n'y a pas de tête pour capable résoudre le problème de sécurité. Mais cependant, attends et c'est, pour Galvez a dit ça dernièrement, c'est approche qui fait en République dominicaine. Non, non vieux quartier ça, c'est approche ça pour l'état fait. Parce que, attends, l'état de en bas, même les lagons bombent dans le village de Dieu, ou bien les lagons bombent dans la base de 400 Marozo, ou bien le monté grand avion, les lagons bombent. Et puis, nous autres, le problème n'a pas résolu. Mais qu'on y a là, bon, quoi, moi-même qui, au monde qui, qu'on en bas, qui peut-être côtoyer monsieur. Non, pas qu'on a élevé aussi depuis 2004. Non, 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 n'est-ce pas génération. Ah, ça aussi, c'est. D'ailleurs, Mbadou, là, on parlait tout à l'heure de Mano. Mano, Mano, t'es élève, moi, laisse à mon de Timoun. Oui, Mano, ça va la main. Mano, là, c'est le gâteau. Non, non, Mbadou, je contre avec. Ok, qui approche, selon vous, qui tape plus bon pour aider à résoudre le problème ça qui gagne dans un pile quartier? Et côté monsieur contrôlé. Bon, ça me dit pareil. Premier problème, non? Première approche là. Première approche là, c'est supposé une approche politique. Parce que normalement, problème insécurité, pour résoudre, il faut que l'État ait une volonté pour résoudre le problème. L'État ça, il n'a pas une volonté pour résoudre le problème. L'État ça qui l'a. Parce que l'État ça fait partie du problème. Il n'a pas une volonté pour résoudre le problème. Combien de temps nous? Et, nest ça qu'en bas, il y a des amis déjà. Il y a des amis déjà. Combien là? Et, il y a des qui s'est perdu, c'est-à-dire l'État n'a pas récupéré. Mais là-dedans, l'État a récupéré tout coup dans ces deux quartiers, dans des zones que l'État prend le contrôle. Même si l'État prend le contrôle, c'est pas prendre contrôle comme si à Baolage Jacques Moine, tant que l'État s'appelle là, non, prend le contrôle, insérer dans la société. C'est le premier bagage là. Deuxième bagage là qu'on y a là, c'est, comme dis-nous, c'est même gens. On prend le cas sur un petit monde là qui vit dans un environnement malsain. Qui prend terre dans la bouche, qui prend une série de saletés dans la bouche. Et puis qu'on y a une diarrhée. Soit l'hôpital. Il y a un médicament. Libre médicament, j'ai à couper. Mais il faut qu'il y ait le même environnement que le libre diarrhée. Là, toujours le libre diarrhée encore. Ça dit, l'État, ça, non seulement c'est. Ah, je vais te dire, c'est important. C'est renseignement et intelligence. L'État doit. C'est peut-être ça, c'est les plus intelligents dans tout pays que vous avez dirigé. C'est pas les nuls que vous avez fait en Haïti là. C'est plus intelligent. Ça veut dire intelligence l'État, c'est lui pour mettre en application pour résoudre le problème ça. Et le problème ça, il y a des côtés, il a obligé de négocier. Il y a des côtés, il a obligé d'éliminer. Parce qu'il faut qu'il élimine. Et puis après ça, qu'on y a là pour l'État, prend contrôle le quartier. Comme nous en 2004, la police est rentrée dedans. Les films mettent tout le monde dehors. Les gens disent nous mettons dehors. Les films mettent dehors. Qu'on y a ça passé. N'ego fait un sac en face de l'État, n'ego prend espace et la police, il prend espace pour faire des prix de gagnants dedans et coup de passe sur toi, il peut tirer en bleu blanc et puis on dit pas le commissariat. Espace à petit en bleu blanc, je suis toujours dit à n'ego jamais le commissariat. Et dans le moment ça, si la police met le commissariat en dedans, question insécurité dans le village, je dis pas de ça. Bon, pas moment de non. Est-ce que dans le moment où tu as levé en bas, conditions étaient réunies pour le monde vivre? Non, conditions pas réunies. Comme ça. Par exemple, en 2010, l'eau en bas, pas un point en bas de l'eau. Mm-hmm. Et bien, qui ça nous fait? Nous, couche vide, fait des marches courant. Mm-hmm. Nous faisons de 2 ans et demi à négocier avec EDH pour EDH qui s'y met courant. Parce que, dans le côté de l'État, dans le côté de l'EDH, nous avons besoin de courant, mais nous, il peut pas avoir de courant. Pour qui ça n'y est ça, je dis à la, n'y est bandit ça, dans le niveau ça, je dis à la. Pour qui ça? Pour qui ça? Parce que, premièrement, tout ça déjà, en 2003-2004, ça m'entraîne dans le village de Dieu pour question politique. Mm-hmm. Mais c'est un groupe nèg déjà qui était dévié dans la société. Mm-hmm. Vous comprenez? Parce que dans toute société, il y a des gens qui sont là. C'est même les amis qui viennent tomber. Et au même, il n'y a pas réglé les bagailles politiques à Zamna. Il y a réglé les bagailles banditistes. Okay. Là, puisque c'est au vieux modèle là, qui est-ce que vous modèle là? L'opin, nous sommes à rentrer dans Israël là, m'a viré au mois de décembre. Nous croisé avec Oudmaï. Qui, bon, l'inègue devant, ou enveloppe jaune dans la paix en américain. La paix en américain, la fait pérole. Kounia, comme dit nous, si jeune ça, on prend. Et moi, nous, Anel, l'ex ça, c'est des nègres qui. Pas de bandits dans la période de Maï. Mais il était dans la zone, il a gardé comment il a fonctionné. Comme modèle, voilà. Woodmaï, n'est pas bien habillé, n'est pas comme le meilleur, n'est pas au pouvoir. C'est ça le modèle n'est pas. Et puisque il est un modèle n'est pas, il est ça qui s'est fait. Il suit le modèle ça. Et ceci, tout en l'état, va casser le coup modèle ça. Pour jeune Yorounia là, pour eux-mêmes,
gen l'autre modèle te met nous met bombarder bandi rebombarder bandi bandi a toujours reproduit n'a pas le fini avant parce que gen citoyen ça là et fon bosso bagalves mais bon mando par exemple nego si ces conditions effectivement qui pas réuni misère qui fait qu'on est rentré dans banditisme pour qui ça c'est même monde pareil ça semble avec yo y a traumatisé pour que ça c'est yo pour que ça c'est même groupe monde pareil yo hein yo pas bataille contre l'état qui mettait dans condition ça mais tant de bagaille en pile ça va pas arriver dans l'école dami nèg yo a fond bagaille je le nèg a kembe bamzo kembe monde qui a travaille et nos matériaux de construction on médecin pas gagne l'argent et pour mander $1 million ou mander $500,000 et on connaît c'est dans même condition là vivre presque avec eux. Imbécilité on fait ça parce que comme toujours les bagailles mais nèg qui pas arrivé dans l'école nèg ça pas d'aucune formation vraiment pourquoi gè fait clado de la formation nèg ça pas arrivé dans l'école gè des bagailles nèg pas maîtriser comme toujours bagaille c'est qu'on y a la moue bon d'après bon pas si parce qu'on est grand pile rumeur cap oui pas si c'est ça lié il est bruit que nèg 400 maroso yo nèg kidnappé yo fait échange avec prisonnier ça dit imagine moi pas tout bagaille ou bien toute bagaille. Et qui fait de l'autre côté? Il fait mon genre. En Haïti, on fait de l'autre genre. Regardez, c'est ce qui n'a pas de à l'étranger. Il fait mon but. Il fait mon genre. Mais nèg ça eux-mêmes, il a fait kidnapping. C'est comme si c'est des nègres qui choisissent faire chemin ça pour être capable de créer panique dans les gens fait là. Et quand on a créé panique là, parce que pas oublier. Bon bagaille que nèg ça a gagné. Nèg ça a gagné pouvoir. Nèg ça a aussi chef de sentier. Et nos zones, vous ne pouvez pas comprendre, nest maîtriser les zones. Maîtriser les zones qui chef de police, qui fait tout le bagage, c'est maîtriser les zones. Bon, comme nous avons dit, pour nous finir, moi-même, je dis nous, et question de banditisme en Haïti, et l'ICA résoudre, contrairement à ça, mon pensée, l'ICA résoudre. Mais pour résoudre, il faut que des mounes qui ont intelligence, des mounes qui ont volonté, pour résoudre. Parce que nous, Haïti, parce que le pays, il y a des gens de problème ça. Et moun qui t'a pensé, moun qui a l'intelligence, il résoudre. Cas ça, faut que par exemple, parce que même pas vous parler seulement de zone en bas bicentenaire. Parce que banditisme, ça fait bien demande de me pousser en bas sur le village de Dieu. Je défile que m'a une nécessité parce que si ce bandit ça c'est seulement dans le village de Dieu ou bien si elle commence à me avec mon livre, mais imaginons d'ailleurs banditisme bicentenaire, ça déjà, il va commencer le village de Dieu, c'est dans cette idée de commencer. Ça les dit. Pour nous jouer une solution avec problème, ça a cagé le pays, il nous faut des dirigeants qui responsables, qui intelligents, et pour porter des solutions intelligentes à problème ça. Mais la solution que je apporté là, c'est des bagailles qu'on a fait pour la galerie. Qui dernière fois rentré dans le village là? Dernière fois, pas lié, comme je disais, il y a 6 pièces là. Dernière fois rentré dans le village de Dieu, il y a 6 pièces là. Il y a 6 pièces là. C'est pour ça qu'il dit, quand il y a un lac à me défaire, et quand il m'a dit, c'est juste quand il y a fermé à. Bon, espace là, il y a 3. Trois chambres, yo nous t'en fait mes mounio. Bon, et qu'on y a là, il a fait 1 000 $ pour 6 mois. Et $1 000 pour 6 mois, chambre par chambre. 5 000 $ pour oui, 5 000 $ pour 6 mois. Et par chambre, et bon dernier moun. Attendez-nous, bon dernier moun qui était là donne. Et bon moun, ça a gagné 3 ans. Depuis il pas payé. Et ceux-ci sont avantagés pour nous. Le fait qu'il est là. Même du malaï, comme du malaï. Et moi-même, je ne vais pas m'entrer dans le jeu de ça, parce que mon jeu de balai ça, c'est pas bon. Je ne vais pas m'entrer dans le jeu de ça. Ça, balai ça, va pas t'intéresser. Je ne vais pas m'entrer dans le jeu de ça. Et ça me propose pour le village de Dieu, c'est pour la police, c'est pour l'État. Tu as rentré dedans pour lui et chita avec moi, qui connaît le village de Dieu, et puis pour aider le faire ça, le doit faire. Vous pensez qu'il y a une possibilité ça? Il y a des citoyens responsables qui ont aidé. Tout le monde dans le village, tout le monde est mettre là. Mais on pas dans le village. Donc en pile caille qui vide. Tout le monde est mettre. Bob, il y a des questions pour lui. Je vais permettre de poser. Vous avez le téléphone. Bob, c'est. Ah ouais. Ok. Bon, on va faire le journal avec nous. Absolument. Il y a des questions pour vous. Il y a des approches fondamentales que je fais. D'accord avec vous, on va rejoindre dans l'autre là. Oui, approche fondamentale que celle dit que tout le monde qui levé dans le village là, il était commencé bien, commencé à te lancer, il était qu'on découvrir dans le match football, au courant de ça, il nous a dit ça dernièrement,
dans le quartier populaire, dans l'air métropolitaine, dans la zone qui va être footballeur qui est village de Dieu. Et le combattant est-il là? Donc, l'aile dit que dans les gens, ils ont levé, même si tu apprends à le mettre au Pétionville, il y a toujours bandit, il faux. Moi-même qui sont témoins, lésés dans le quartier populaire, les quittés pour Vest pour venir continuer l'étude secondaire de Port-au-Prince, lésés Matissant, lésés Norban, l'autre endroit, en contact pour Badelma, Delma 6. Misère, problème, grand goût, pas fait mon criminel, pas fait mon volo. Mon qui volo, qui prend prétexte la misère là, même s'il est élevé dans petit monde qui vient comme, l'étape un élément dangereux pour propre famille que lésé, parce que c'est l'étape de la famille, parce que à tout journaliste, mais mon qui pour mon, on met les villes dans la crasse, on met les villes dans la misère, on met les villes dans toute buse qui vient dans le monde, lui enveloppe pour tomber la guerrier, la pilote du monsieur guerrier, enveloppe pour tomber. C'est si vous voulez, on va aller la donne, et on pas capable de toucher tout. Elle font un geste comme ça. C'est ça où elle est honnête. Deuxièmement, elle dit, c'était bon un commissariat, village de Dieu, madame qui est tout ça. C'est faux, ah, c'est faux. Le commissariat a été lancé, il a fermé les Matisse, en tout événement qu'il a fait avant hier, il a fait bon commissariat, mal garanti. C'était bon commissariat, village de Dieu, nous avons vu un carrefour, nous avons vu un policier, un algoriste à la donne, et puis si vous avez pris, vous avez occupé, c'est le commissariat. Merci beaucoup. Donne beaucoup de réactions. Bon, c'est bon, c'est pas contre bon, village de Dieu. Parce que village de Dieu avec Gravine, c'est deux configurations différentes. Commissariat est dans le village de Dieu. Le village de Dieu, entre Central et Louis Mandela. Et village de Dieu, et, contrairement avec Samoun, parce que village de Dieu est deux entrées et deux sorties. Il y a plus que ça. Village de Dieu, sont superficiels pour lieu. Ça veut dire, même là, on a parlé de sécurité dans le village de Dieu, mon Rio. Ça veut dire, si vous volonté, si l'État voulait, il peut prendre contre le village de Dieu facilement. Si l'État a le compensateur, est-ce que vous pouvez aller? Il va aller à ça. Bah on l'offre l'État. Et ça, l'État, ça fait partie du problème. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Oui, qui est dans un village, c'est où tu es, non? Mais oui, par exemple, on prend Wikout, on prend Wikout qui boit la caille, bon, beaucoup de monde la caille, avec Wikout, Sacré-Cœur. C'est qui Wikout, Sacré-Cœur? Non, ça dit, village de Dieu, village de deux rentrées. Il y a un et Rumandela. Qui c'est rentré principal, ça qui baille en face théâtre là. Et puis, les gagnants, oui, chrétien, ça qui baille en face et EDH là. Et puis, les finis, on a le premier rentré qui c'est Israël. Après ça, il y a oui, la nativité, il y a oui, la foi. Parce que, pas oublier, moi, je fais un projet en dedans avec EDH. Côté que, je fais carte et zone là. Et puis, en passant, moi, je suis ingénieur civil. Par exemple, tu es dans le village de Dieu, je voyais à étudier génie civil, car le compte. Qui c'est première université privée dans le pays d'Haïti. Ça les dit, nous, même la génération parmi nous, tout le monde qui est dans la génération parmi nous, les ça, ils ont tous ces données qui sont avec des professions, des gens qui sont avec la vie, sans aucun problème. Là, il y a un gros problème, c'est ce là. Bon, c'est, et depuis, condition, parce que pas oublier, éducation que parents, moi-même, parce que c'est une même génération avec nous, éducation, parents, moi-même, avant, et bien nous, qui rendent que, ou des convictions qu'on gagne, j'aime je dis à la yo, il n'y a pas de monde qui baille l'éducation. Attendez? Et ça fait, moi-même avant, nous l'avons choisi, pas voler parce que nous voulons. Mais parce que j'aime je dis à la. Et où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes? Voilà. Oui, merci beaucoup, Holofen. C'est pas un sujet que nous devons faire vraiment sous village de Dieu, mais où tu devons réagir tout par rapport avec le travail, le combattant est fait, et ça aider à nous comprendre la réalité. Zone ça y qui gagne en pile cas même d'accord raison qui avant nous allons recevoir Galvez bon mais c'est parce que tellement gagne monna et bon recevoir politologue qui te gagne on approche tout par rapport à situation insécurité à fertile modeler qui sorti et alors merci guerrier monsieur Tibarouge Marouge capitale là oui. Alors me salue guerrier Pierre Unel et Galvez et tout le monde qui a suivi l'émission ça spécialement mon Marouge Monsieur Nicolas et Radio Bois Caïman Marinade qui relaie l'émission ça et en partant permettre que suite avec travail de recherche qu'il fait me salue me dégager ensemble de groupes de jeunes tant que nous sommes seuls mettre au bed Berman Cellus et qui c'est dans jeunes qui c'est jeunes engagés pour Nouvelle Haïti que nous mettons d'accord sur un ensemble de problèmes je dis qu'on a fait face et nous choisir réagir sur nous. Oui et au même moment j'en vois question insécurité qui presque généralisée dans le pays. Exactement. Nous-mêmes